Et pour discuter des enjeux de cette élection au Québec, je retrouve maintenant le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir, Esther. C'est dans exactement 10 jours que les Québécois vont se rendre voter. Je vous demanderai d'abord, est-ce qu'il y a une question de l'urne qui se dégage jusqu'à maintenant? Bon, faut dire que le vote est beaucoup plus long qu'avant. Il y aura le vote par anticipation, puis plusieurs Québécois vont voter par anticipation jusqu'au 3 octobre, qui est la journée de l'élection. Dans cette élection-ci, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'enjeux qui se sont imposés. Il n'y a aucun enjeu qui se sont imposés dans la campagne. Et chaque parti va pousser, notamment au débat ce soir, pour imposer l'enjeu de la CAQ et le Parti libéral sur l'économie, lequel des deux est le plus crédible, Québec solidaire sur l'environnement, le Parti québécois sur l'indépendance et le Parti conservateur, ben, c'est l'insatisfaction à l'égard de François Legault. Personne n'a encore imposé son enjeu à quelques jours du scrutin final. Ouais. Sur les intentions de vote, tous les sondages démontrent que la CAQ de François Legault va être réélue, mais vraiment haut la main. Quelle est la position des partis au moment où on se parle? Oui, c'est l'ampleur de la victoire qui est moins claire parce que François Legault, avec 38 % des intentions de vote à ce moment-ci, c'est à peu près le même score qu'il avait eu en 2018. Si on se rappelle, il avait eu 37 % des voix. La différence, c'est que vous avez 4 autres partis politiques qui suivent loin derrière. Regardez, à 16 % 3 partis, le Parti libéral, Québec solidaire, Parti conservateur du Québec et le Parti québécois à 13 %. Vous voyez, la division du vote démontre cette avance-là de 22 points de la CAQ, ce qui fait qu'il est en avance dans 16 des 17 régions du Québec, excepté Montréal, Esther. Et chez les francophones? Oui, chez les francophones, parce que c'est important, 80 % des comtés sont déterminés par les francophones, et l'avance est encore aussi insurmontable chez les francophones, mais c'est Québec solidaire qui arrive au deuxième rang. Donc, 45 pour la CAQ et 18 %. Par contre, la CAQ a perdu 6 points depuis le début de la campagne. Elle a glissé doucement chez les francophones, mais l'avance est tellement importante que ça leur permet d'espérer une majorité de sièges. La question, c'est quelle sera la majorité? Et la seconde question qui suit, qui sera l'alternative? Qui sera l'opposition officielle? On a toujours pris pour acquis que ce serait le Parti libéral, mais la campagne a été un peu difficile pour le Parti libéral. On voit que Québec solidaire le peut et on voit depuis le débat une montée du Parti québécois. Fait que l'alternative, c'est pas encore clair. Le deuxième débat va officialiser ça, à mon avis. Bon. La grande inconnue dans cette campagne aussi, Jean-Marc, c'est la performance du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime. À quoi vous vous attendez de ce côté-là? Ben, il est parti à 5 % en début d'année. Il est à 16 % dans les sondages. Depuis plusieurs sondages, il a quand même atteint un plafond à 16 %. Et comme sondeur, j'ai peur de le surestimer parce que ce vote-là est un vote anti-Legault, anti-gouvernement, anti-système. Et souvent, ces gens-là ne vont pas voter. J'y vais face à la même chose avec Maxime Bernier au fédéral, où on avait peur de le surestimer, mais au final, on l'a surestimé d'un point dans le sondage. Fait que ce vote-là n'est pas un vote consolidé. Ce sont des gens souvent qui ne votent jamais aux élections. Ça sera à Éric Duhaime de les stimuler. C'est donc le dernier débat des chefs ce soir. François Legault n'a pas eu une bonne performance lors du face-à-face de TVA la semaine dernière. Même les caquistes le reconnaissent, curieusement, même s'il est largement en avance dans les sondages. M. Legault semble pas être heureux dans cette campagne électorale. Alors, quel est son plus grand défi à François Legault au débat de ce soir et pour le reste de la campagne également? Je vous demanderai aussi la même chose pour les autres chefs de parti dans la course. Ouais, c'est sûr qu'au premier débat, c'est pas parce qu'il a fait une performance négative, mais il a perdu le débat sur le débat. Parce qu'on a parlé plus de sa perception, de sa moue, là, qui avait l'air négative et tout ça. On dirait que cet homme-là n'a pas le goût de faire une campagne électorale, comme s'il prend pour acquis la victoire caquiste, étant donné que les sondages l'annoncent, s'il se demande, dans le fond, pourquoi faire une élection déjà réglée. D'ailleurs, on pourrait faire un sondage, Esther, pour besoin d'élection. Non, mais sérieusement, ça bouge durant une campagne électorale. Et là, ce soir, pour lui, c'est cette attitude-là qu'il doit démontrer qu'il veut vraiment être premier ministre. L'erreur de François Legault depuis le début, c'est pourquoi un deuxième mandat? Le premier mandat était clair, c'était se débarrasser du Parti libéral. Mais cette fois-ci, c'est quoi? Continuons? Est-ce que c'est suffisant de dire qu'on continue? À mon avis, non. Ce soir, il doit démontrer pourquoi il mérite un deuxième mandat auprès des Québécois. Et chacun des partis politiques a son enjeu. À Québec solidaire, c'est de se normaliser, se déradicaliser. Et ça a été l'enjeu du premier débat. Et le Parti conservateur et Québec solidaire, deux partis extrêmes, ont réussi à se normaliser dans le premier débat. Il doit continuer à marquer des points, surtout à l'extérieur de Montréal. Le Parti québécois, ça a été la surprise du premier débat. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était absolument inconnu, a ressorti dans le débat avec un discours qui était plutôt clair et qui cherche à aller chercher les souverainistes à la CAQ. Il a marqué des points, il a grimpé de 4 points depuis le début de la campagne. Et ce qui fait que il reste Dominique Anglade, qui est perçu comme
celle qui a perdu le débat. Elle met beaucoup d'énergie dans la campagne, mais elle a sur ses épaules les années de Jean Charest. Elle a aussi sur ses épaules les restrictions budgétaires de Philippe Couillard. Et c'est très difficile à l'extérieur de Montréal. Elle ne fait que sauver ses meubles ce soir. Fait que chacun va essayer d'imposer son agenda. À 5, Esther, c'est pas facile. Non, effectivement, c'est rare qu'on voit ça aussi, une course à 5 comme ça au Québec. En terminant, Jean-Marc, c'est une campagne électorale qui semble pas avoir soulevé beaucoup les passions, du moins jusqu'à maintenant. On sait que le taux de participation avait été historiquement bas à la dernière élection en 2018 au Québec. Seulement 66% des Québécois s'étaient rendus aux urnes. Est-ce qu'il y a un danger que les électeurs québécois boudent les urnes le 3 octobre, décident de pas se rendre voter? C'était la stratégie CAQIS. Moins qu'on parle d'élection, plus ils ont des chances de se faire réélire de façon majoritaire. Il y a une élection qui est partie en plein été où les gens étaient ailleurs. Elle commence depuis le débat. Il faut faire attention, hein. Une élection, ça commence dans les chiffres, les programmes électoraux. Juste la première journée de la campagne, il y a eu 15 milliards de dollars de promesses électorales. Et ça se termine dans l'émotion. Et c'est là où on rentre dans la partie émotive. Vous savez, ces chefs-là sont élus depuis 2 ans, et ça fait 2 ans qu'ils visualisent le débat, qui est le moment charnière, le moment où ils se présentent nus devant les caméras, devant les électeurs. Et ils sont nerveux ce soir. C'est ce soir qui va se décider la carrière politique de plusieurs, notamment du premier ministre, bien sûr, s'il gagne, mais pour chacun des chefs de parti, il doit faire mieux que les attentes. Il y avait peu d'attentes au premier débat. Là, les attentes sont plus élevées, notamment pour la jeune génération. Vous savez, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon l'ont eu facile au premier débat. Là. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils performent. Là, maintenant, on s'attend à ce qu'ils élèvent leur jeu et on verra quels sont les arguments, quelle est la phrase assassine, quel est l'enjeu qui va s'imposer dans ce débat-là. Ne jamais prendre pour acquis l'électeur québécois, même si on est 20 points d'avance, j'espère. Jean-Marc Léger, sondeur, merci beaucoup de vos lumières alors qu'on entre dans le dernier doigt de cette campagne électorale au Québec. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir, Esther.